Hey, what's up les connards, c'est Godka, au micro. Hop, 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 hop. Ah, c'est bon. Putain, j'ai réussi à l'arrêter. Ah. Youpi tout le monde, c'est Obscur Warnick, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de la Obscur Clan. Comme vous l'auriez vu tout au début de la vidéo, grâce au mod tool sur PC de Call of Duty Black Ops 3, nous avons maintenant la possibilité de conduire un véhicule. Enfoncez donc un gameplay réalisé par Obscur Noisy sur la map Nocturne 2065 à la HVK30. Sa chaîne se situe en description, allez vous abonner si vous le souhaitez, il propose de bons gameplays sur sa chaîne. Comme je le disais précédemment, grâce au mode Tools, nous avons maintenant la possibilité de conduire des véhicules sur Black Ops 3. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le mode Tools, c'est donc un mode exclusivement disponible sur PC qui te permet de créer tes propres maps multijoueurs et zombies. Pour les fans de TheKairi78, je pense que vous savez de quoi je parle sur World at War. Je trouve personnellement cela très fun, par contre ce ne sont pas des véhicules futuristes, mais des voitures de notre époque, c'est-à-dire qu'elles ne planent pas au-dessus du sol. C'est bien la seule chose pas futuriste sur Black Ops 3. Pour le moment, l'intérieur de la voiture n'est pas encore bien détaillé comme vous pouvez le voir. Les mains ne sont même pas sur le volant, donc c'est vraiment un gros manque de réalisme. Il n'y a également pas de levier de vitesse, frein à main, bref tout ce que contient l'intérieur d'une voiture. Mais je pense que tout cela apparaîtra par la suite. Avant de conclure le commentaire, oui je sais que vous m'entendez plus que les autres commentateurs. C'est pas du tout parce qu'ils ne sont pas actifs ou autres, c'est juste que je profitais un maximum avant la fin des vacances. D'ailleurs ma rentrée ce jeudi s'est extrêmement bien passée. J'espère pour vous aussi. Bref tout ça pour vous dire que à l'avenir vous ne m'entendrez que deux fois par semaine. Voilà les potos, c'est la fin de ce commentaire, j'espère qu'il vous aura plu. Mon Twitter est dans la description, n'hésitez pas à me follow, ça me fera vraiment super plaisir. Et très bonne rentrée à ceux qui commencent vendredi et je vous dis à la prochaine. Allez ciao bye bye. Peace.